De Emmanuel Elgood, Le requin du bocal, aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Un jour, Lily va trouver ses parents et elle leur dit « Je veux un éléphant. » « Un éléphant ?» dit le père. « Mais tu n'y penses pas. Il faut aller le promener matin, midi et soir, » dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un éléphant, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Bon, eh bien alors je veux un crocodile. » « Un crocodile ?» dit la mère. « Mais tu n'y penses pas. Il gêne, il boude, il pleure pour rien, » dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un crocodile, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Bon, eh bien alors, je veux un kangourou. »« Un kangourou ?» dit le père. « Mais tu n'y penses pas. Les kangourous sont de gros égoïstes. » Ils volent les jouets aux enfants et s'en vont s'amuser tout seuls dans leur coin, dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un kangourou, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Bon, eh bien alors je veux un manchot. Un manchot, dit la mère, mais tu n'y penses pas. Les manchots sont des animaux stupides, ils ne bougent pas, ne parlent pas. Et le comble, c'est qu'ils adorent le froid, dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un manchot, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Bon, eh bien alors je veux un serpent. Un serpent ? Dit le père. « Mais tu n'y penses pas ? Les serpents sont de vrais pots de colle. Tu ne pourras plus faire un pas sans qu'ils soient là, » dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un serpent, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Soit. Eh bien alors, je veux un lion. »« Un lion ? » dit la mère. « Mais tu n'y penses pas ? « Les lions sont très, très coquets. Tu vas devoir le coiffer tous les jours, » dit le père. Lily réfléchit et se dit qu'un lion, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Bon, eh bien alors je veux un ours. »« Un ours, » dit le père. « Mais tu n'y penses pas. Les ours dorment sans arrêt et ils ronflent, ronflent, ronflent. » dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'un ours, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Bon, eh bien alors, je veux un singe. »« Un singe ?» dit la mère. « Mais tu n'y penses pas. Les singes sont des schnappants, de vrais enquiquineurs. Et de plus, ils sont bagarreurs. Sans compter qu'ils font des grimaces à longueur de temps. » Et qu'est-ce que c'est fatigant, dit le père. Lily réfléchit. Elle se dit qu'un singe, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Soit. Eh bien alors, je veux une autruche. Une autruche, dit le père. Mais tu n'y penses pas. Les autruches ont peur de tout. Ce sont de vraies froussardes. Ces volatiles passent leur temps à se planquer. « Tu auras vite fait de te lasser, » dit la mère. Lily réfléchit et se dit qu'une autruche, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. « Bon, eh bien alors, je veux... » « Ah, mais voilà, Lily n'a plus d'idée, plus une seule. Que dirais-tu d'un animal très très rare ?» dit la mère. « Comme... un requin de bocal, » dit le père. Un requin de bocal ? Lily réfléchit. Elle se dit que ce doit être génial. Le père et la mère sillonnent la ville et finissent par trouver le
requin du bocal. Il s'appelle Bubule et Lily l'aime vraiment beaucoup.